Mais pourquoi Iskrim est-il venu sur Terre si son objectif se trouve près du Soleil? Il a besoin d'un puissant télescope afin de pouvoir localiser précisément la capsule. Il ne peut pas utiliser les télescopes de Cyberpompon, car alors les autres espèces de Pticons seraient au courant et devineraient son plan. Voyez-vous, depuis plusieurs décennies, Iskrim tente en vain de prendre la place des chefs des espèces de Pticons, le puissant Mégacron. Et s'il arrive à mettre la main sur cette capsule d'armes, il est sûr d'y parvenir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois réfléchir aux différents moyens que Iskrim pourrait mettre en œuvre afin de mener son plan à exécution. Allez à l'épisode 32.